Salut YouTube, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je n'en ai pas fait. Donc là, je profite de l'occasion de Noël parce que je fais mes cadeaux de Noël moi-même. Toujours des choses très 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 simples. Et je me suis dit, ce serait peut-être l'occasion de vous proposer ça. Peut-être que vous n'avez pas encore d'idée ou peut-être que pas envie d'aller faire les magasins ou tout simplement pour jouer la rebelle de Noël, celle qui n'offre rien d'acheter. Donc moi, c'est mon cas. Cette année, je pars sur donc je fais des paniers Gardie par couple. Donc un panier pour un couple. Ils seront composés de sel aromatisé aux herbes du jardin que j'ai fait sécher l'été. J'avais anticipé la chose. Ils seront composés aussi de sucre aromatisé aux zestes d'orange séchées. Il y aura aussi un pot d'épices cajun et je vais faire sûrement de la confiture de tilleul ou de camomille, je sais pas. Je vais voir en fonction de mon envie. Et je pense sûrement aussi un chutney de chou rouge avec du cassis que j'ai récolté au jardin aussi. Donc là, j'avais commencé, j'ai fait du sel aromatisé. En fait, en le faisant, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Donc je vous dis simplement ce que j'ai fait. J'ai mis, ça sent super bon. J'ai mis donc du sel non raffiné. On pourrait utiliser du sel classique. Sauf que voilà, quand on regarde les ingrédients, là, le sel non raffiné, il n'y a que du sel. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Ici, vous avez du sel, vous avez fait de l'iodate de potassium. Vous avez des anti-agglomérants, des conservateurs, des E, etc., etc. Bref, moi je voulais du sel. Donc, c'est bien moins cher de prendre des sachets, vous savez, des gros sachets d'un kilo, de sel non raffiné. J'ai mis. Donc, mes pots ne sont pas très grands, vous voyez, par rapport à la taille de ma main, à peu près un doigt. Donc j'ai mis une cuillère à café de romarin séché, une cuillère à café de sarriette. Je les ai pilés directement au mortier. Je vais vous montrer, j'en ai fait que un sur les trois. Donc je mets une cuillère à café comme ça à peu près. Enfin une généreuse cuillère parce qu'il faut que ça sente quand même. Voilà, hop. En évitant d'en mettre de partout. Enfin après, je vais faire le ménage chez vous. Donc vous mixez, enfin vous mixez. Vous pilez jusqu'à essayer d'avoir le moins de plus gros morceaux possible. Vous les versez dans le pot. Vous fermez le pot. Vous secouez. Et il n'y a plus qu'à en prendre plein les narines. Donc franchement, ça sent super bon. Ce que je pense que je vais faire pour la conservation, parce que c'est vrai que le sel est quand même un élément humide. Là, il n'y a rien pour respirer. Je vais faire quelques trous dans mon couvercle, tout simplement avec une punaise. Je prends ma punaise, j'appuie dessus pour faire des petits trous. Pour le transport, pour éviter d'en perdre partout dans mes sacs, je mettrai un petit papier qui sera joliment décoré, que je poserai dessus. Je reposerai mon couvercle dessus, comme ça ne maintient pas. Et au moins l'air pourra passer. Et une fois qu'il sera offert, je dirai bien à mes invités que le papier c'était juste pour la sécurité, qu'après ils peuvent juste le laisser comme ça. Ça ne marchera pas en tant que salière, mais au moins ça permettrait qu'il n'y ait pas trop d'humidité qui s'accumule. Et voilà, donc ça fait un cadeau pas cher, original. Et puis je pense que ça peut être sympa cet été pour les barbecues, choses comme ça, ou même simplement une poêlée de légumes, ça rehausse pas mal. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. C'était le premier cadeau de Noël. Pour le sucre, je vais faire exactement le même principe. Les épices cajun, vous pouvez trouver la recette sur mon blog, j'en avais déjà fait. Le blog, c'est Végétarienne à la campagne sur l'hébergeur Canal Blog. Et puis les autres recettes, et ben je vais voir comment ça se passe. Donc je vous partagerai peut-être d'autres recettes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bien ensoleillée. Vous voyez, je suis en plein soleil. Et puis je vous dis, j'espère à bientôt. Allez, passez une bonne fin de journée. Au revoir.